Donc voilà, je vais revenir là. Hop, voilà, j'ai fini de manger, tout va bien, merci. Bah, y a quelqu'un qui follow, super, j'aime bien ça. Tout ça pour dire bah, qu'on va pouvoir reprendre. Hein. On était paumés, je sais pas si vous avez pu réfléchir à ce qu'il fallait que je fasse. Ça doit pas être bien compliqué, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, alors attendez, faut que je remette. Oh, c'est chiant ce jeu, si vous saviez. Il semblait que tu aies oublié de faire ce qui va être, c'est que tu n'as pas scanné les empreintes de Jung sur son coffre-fort. Si c'est le cas, il faut que tu retournes dans son bureau et ce sera tout simple à partir de là. Putain! Je n'arrive pas à quitter le jeu. Pourquoi ma touche Windows, des fois, elle est désactivée? Eh ben... Je sais pas pourquoi elle fait ça, ma touche Windows. Bref, tout ça pour que je vous remette quand même ça, là... Alors, Real Me Up, je me souviens, est-ce que tu dois faire quitte de retourner dans le grand hall, retourne à droite, monte les marches et prends l'entrée de gauche, il y a deux gardes pris par un méchant. Sauve-les parce que tu dois avoir où le docteur les empreintes. Alors attendez, je reviens en arrière, on est bien d'accord. Ok, il faut que je trouve le... Go bureau du docteur Jung, mais je ne sais pas où c'est le bureau du docteur Jung. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? D'accord, ça doit être par là. Je ne sais pas. Réponds! Je sais pas, j'ai dit. Elle peut être n'importe où. On peut mourir, c'est ça? Voilà, on est reparti les amis, tout va bien. Ça va, Fraise? Oula, je crois que c'est pas bon signe, ça. À quoi sert ce collier? Pourquoi il fait ce bruit? C'est le collier suicide. Il est bizarre. Collier suicide? Ça porte un autre nom, mais on l'utilise pour surveiller le rythme cardiaque. S'il descend trop bas, l'alarme se déclenche et une équipe débarque. Tout comme mon équipe quand on la déclenche. Alors, ça te plaît, Batman? Est-ce que tu t'amuses dans... voyons... dans l'aile ouest! Il serait déjà là s'il n'avait pas à raisonner, ce cher Cash. Tu sais quoi? Je ne gâcherai pas la surprise en leur disant que tu arrives. Mais t'arrives au pire moment du jeu, bonne chance. D'accord. Là, y a rien, hein, j'ai rien oublié, non. C'est-à-dire, je suis comme la mort ici.
Frappe-le encore, plus fort. On va être plus convaincant. Contacte le Tucker. Dis-lui qu'il ne veut pas parler. Dis-nous où est cette gaffe. Parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Ok. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de te délier la langue. Mieux vaut ne pas savoir comment elle se prend. Salut Yoshikroot. Je ne parlerai pas. Pourquoi ne pas aller voir dans les allées, les gars? Je crois que quelqu'un vous a laissé un cadeau. On écoute le patron. Par ici, venez tous à l'aide! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre tour, c'est figé. On le laisse là. On se sépare pour choper Batman. On se sépare Attends, pour choper Batman. Je vous ai assigné des tâches simples. Faire parler Cash. Trouver le docteur Jung et ses notes. Est-ce que l'un de vous a déjà accompli une de ces tâches? Non mais c'est exactement ça, Geno Game. Tu as complètement raison, hein. J'avais espéré que ces colliers vous aideraient à attraper la chauve-souris. J'avais tort, apparemment. T'as mis qu'idée, j'en suis sûr. Hein? T'approches ou pas? Dégage! J'ai fait n'importe quoi, les amis. Tu me tires dessus. Non. Oh, il m'a tué à ce moment-là. Putain, il est fort, lui, c'est pas possible. Loser, loser, loser. Oh, c'est pas drôle. Frappe-le encore, plus fort. Il faut
pour être plus convaincant. C'est pas de bol, les amis. C'était le décès de la pas de chance quand même, hein. Qu'on fait maintenant. Salut monsieur Canoë. Oui, je prends la corde, je suis au courant. Disons, il y a des vieilles blagues ici, hein. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps. L'absélération de discrétion. D'accord. Ok. Mets donc ce collier, ça te protège. Qu'est-ce que tu fous ? Ah ! Oh merde. Batman est mort. Bye bye Batman. Ah bah attends. T'as de la bouteille, Geno Game, je le sais bien. Ouais, faut que je fasse des roulades, c'est ça. Contacte le Tucker. Dis-lui qu'il ne veut pas parler. Dis-nous où est cette garce. Parle, ou on te coupe l'autre main. Comme vous voudrez. Je ne dirai rien. Ok. Harley Quinn sera bientôt ici. Elle trouvera des moyens de te délier la langue. Et mieux vaut ne pas savoir comment elle s'y... Oh, il manque quelqu'un. Je suis perdu dans mes comptes. On écoute le patron. Qu'est-ce que j'aime les gargouilles? Vous êtes aveugle? Regardez en bas, il y a quelque chose, et ça ne me plaît pas! Obéis au Joker! Fait n'importe quoi. Il y a quelqu'un par ici.
Toi aussi? Mais comment on fait? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Faut trouver si... Voilà. Que ça, c'est plus propre. Hé, hey, Batman! Par ici! Oui, bonjour. Merci. Où est passé le docteur Young? Je lui ai dit de fuir. Ces types sont venus la chercher. Je lui ai dit d'aller se cacher dans son bureau. Elle garde ses dossiers là-bas? Je crois. Elle tenait à tout prix à y aller. Son bureau est par là. Ça fait combien de temps? Je dois trouver ces notes avant que le Joker le fasse. 20 minutes, ou même plus. Pourquoi ces notes sont si importantes? Le Joker les veut. Voilà pourquoi elles le sont. Restez là, je vais la chercher. Pas de problème. J'essaie la radio, pour voir s'il y a quelqu'un dans le coin. Merci pour le coup de main. Contrôle central, répondez. Ici l'officier de sécurité Cash. On est dans le manoir et on a rencontré des détenus armés. Répondez, s'il vous plaît. Allô? Allô? S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, répondez. Contrôle d'Arkham, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Allô? Répondez, s'il vous plaît! On peut pas rentrer, là? Mais non. Contrôle central, répondez. Allô, allô, répondez. C'est un bordel, hein, ce système. Ah! Entretien avec un patient numéro 6. Le docteur Crane a été interné à nouveau 3 semaines. Les séances régulières n'ont pas été concluantes. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment. Bonsoir, Stéphane. Comment allez-vous? C'est moi qui conduis la séance, Jonathan. Bien sûr. Si ça vous aide à faire face, je n'agirai pas autrement. Parlons des événements arrivés il y a 3 semaines. Que pensez-vous avoir accompli? Le docteur Murphy est toujours en garde. Je voulais le comprendre. Ses démons personnels, ses craintes. C'est vraiment fascinant. Mais vous étiez un docteur respecté, un expérimentant. Et maintenant, simplement, un autre résident d'Arkham. Oui, j'avoir à boire. Une boisson convenable, ce genre de questions, mon ami. Je crains que non, soit de mots intéressants, docteur. Et dites-moi, de quoi avez-vous peur? Comment je passe là, les amis? Ouais. Salut Nicolas.
personne ne répond. Je réessaie. Allô ? Allô ? S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, répondez ! Tu cherches les deux tout seul ? Pas du tout. Bonne chance ! Une de mes équipes travaille, le docteur à l'instant. Et comment bien je travaille ? J'en suis sûr. Sans parler de l'armée de clowns qui démolit cet endroit. D'une façon ou d'une autre, la formule sera à toi. Il serait mieux d'abandonner. Allez, laisse tomber pour une fois. Fais-toi plaisir. Il y avait des gens qui avaient des problèmes avec les cercles ici, hein. Sans vouloir être regardant, hein, bien évidemment. Oh, il y a une mouche. Salut tout le monde, hein, s'il y a des nouveaux. Il a dit il y a 10 minutes. T'as qu'à lui dire, toi. Pas moi. Bonjour à tous. Seconde. Merde. Quel crétin. Hein. Le Joker va pas être content. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les sbires du Joker tentaient d'entrer dans ce bureau. On dirait qu'ils n'ont pas pris la porte principale. Je dois trouver une autre entrée. La. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Vous avez les moyens pour acheter les jeux plusieurs fois, les amis. Vous savez que c'est pas normal, hein. Vous avez payé les droits une fois, après vous devriez payer que pour quelqu'un les portages. Quelqu'un a déjà ouvert le coffre. Et merde. Reste à découvrir de qui il s'agit. Il n'a pas été forcé. Celui qui l'a ouvert connaissait la combinaison. À croire que c'était le professeur elle-même. Voyons. Bien. Young a atteint ses notes avant le Joker. Elle les a prises pour les cacher. Je dois la suivre pour voir où elle les a mises. Une empreinte digitale. Est-ce que je vais devoir suivre des empreintes partout ? Oracle, je piste le docteur Young. J'ai dû régler le scanner pour voir uniquement les empreintes fraîches. Ces traces me mèneront à elle. Ou à ses notes. Croisons les doigts, juste pour info. C'est marrant de croiser les doigts sur des empreintes digitales. Bourré de pâtes d'amande et de chatons. Je le savais. C'est juste pour faire diversion. L'important, c'est Arkham. Tuez-le!
Comment il va ? Allez ! Je vais défoncer la caboche. Tiens ! Qu'est-ce que... Je parie que ces empreintes mènent à une main. Alors, tout ça pour dire. Ah, j'adore écouter des films. Entretien avec un patient numéro 9. Le docteur Crane continue d'éluder. Je crois que c'est plutôt ça. Seulement des rues. Il ne montre aucun intérêt pour les gens qui ont été décédés. Ses recherches semblent être sa seule motivation dans la vie. Qu'en est-il de cette crainte qui dirige votre obsession? La crainte dirige tous les œuvres. Vous avez épousé votre femme, Margaret, c'est ça? Parce que vous aviez peur de mourir seul. Vous avez des enfants parce que vous avez peur de ne rien laisser d'important derrière. Vous consultez des médecins parce que vous avez peur de mourir. Dois-je continuer? Non. Je crois que ça ira pour aujourd'hui. Garde! Vous imaginez quelqu'un qui travaille ici, le nombre d'empreintes qu'elle va laisser dans le bâtiment, c'est évident qu'on peut la tracer. La technologie de Batman. Je suis sûr que je l'aurais trouvé sans ça, quoi. Moi, je parie. Mais bon, personne m'écoute jamais. Je suis sûr que c'était là, vous voyez ? C'est marrant, quelqu'un qui s'appuie autant sur les murs quand même. Ah. Qu'est-ce qui se passe? T'es pété, oui, 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 il faut trouver les empreintes. Alors, sur ce, bah bonne nuit, Freeze Angel. Oracle, j'ai la formule du Dr. Jung. Super. Ça veut dire que vous avez arrêté le Joker ? Rien n'est si simple avec lui. Et qu'as-tu dans la Batman ? Non, pas la formule. Qu'est-ce que je vais faire ?
Comment je vais m'en sortir? C'est quoi? Et si c'était notre vieil ami Zaz? Je suis tombé sur lui. Il revenait des jardins où il avait sûrement dû mettre en œuvre ses idées délirantes. Il peut peut-être la faire parler. Je crois qu'il peut y arriver. Super plan, Batman. Sauver le docteur Young de Zaz dans le bureau du directeur. Où est-ce? D'accord. J'ai entendu une des radios. On aurait dit qu'on leur ordonnait d'aller dans le bureau du directeur. Vraiment? T'aurais pas juste entendu le Joker qui gueule dans les haut-parleurs? Moi, je dis ça, je dis rien. On est ben d'accord. C'est le Doc, le Joker, effectivement. Ça, je suis désolé, hein, ça doit vous faire un peu mal les 25 images par seconde, mais... Ah! C'est l'heure du deuxième combat! Contre le vilain, oui, oui! Oui, oui, ah, c'est bon. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore voulu voir ce film, Bruce. Viens, on va être en retard pour la fin. Rimiop, super détective. Ne sois pas trop dur, Tom. Il l'adore. Alfred peut t'attendre. Allez, Bruce. Où est-ce que tu nous emmènes? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici? Je ne comprends pas cette séquence. Ça doit faire référence à son passé, mais je ne vois pas du tout ce que ça peut bien être. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du football poubelle. Oh, bah non. Il m'a enlevé ma poubelle de football. Alors que l'on peut constater que... Ce n'est pas nécessaire. Ne bougez pas. Je vous donnerai ce que vous... Voilà. Il a tué les poubelles. C'est vraiment dégueulasse. Super éboueur. Et voilà. J'ai fait bugger le jeu. Ah, c'est beau. Toute cette symbolique. Allez, gamin, par là. Assieds-toi dans mon bureau. J'arrive. Allez, un enfant comme ça, avec tout cet argent, il pourra caler bien. La ferme maintenant. Il a 8 ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez? Il a un majordome. C'est pas comme s'il était seul. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose? Tu vas bien? Un café. Je sais que tu n'as pas envie de me répondre, mais c'est le seul moyen d'attraper celui qui a fait ça. Toi, dans le speedrun, ça va être bien. Pourquoi l'a-t-il fait, officier? Pourquoi? Bah, principalement parce qu'il n'aime pas tes parents. Cette ville. Il y a quelque chose qui cloche. Et... Ah! Le jeu a planté! Voilà! Ça faisait longtemps qu'on avait pas ouvert une porte et que ça plante pas. Je vais virer la physique parce que là... C'est pas possible dans ces conditions, les petits amis. Hein. Voilà. Et j'ai pas moyen de... C'est dingue, ça. Hein. Vous ne passerez pas. Oui, effectivement. Tu m'avais dit de baisser la physique, c'est ça? Ou de la mettre en off? Prost, il peut s'en charger. Hein. Je suis normalement à jour. Hein. Dans les options, peut-être que je peux le faire.
Non, c'est pas là, c'est... Attendez, si je peux virer le problème, on va peut-être faire ça vite fait, parce que c'est vraiment... espèce de performance, il est très bon, je suppose. Je vais être à 10 milliards de frames par seconde chez moi, donc c'est pas le problème. Voilà. Bon, voilà, le test de performance, il marche très bien. Oui. Attendez, est-ce que j'ai un icône Batman? Parce que c'est là que tu choisis avant d'être dans le jeu la qualité que tu veux que le jeu y soit. Ce qui est très pratique, sauf quand tu ne retrouves pas le machin qui te permet de lancer que ça. Alors, je vais demander deux petits instants, parce que c'est vraiment débile que ça arrive en boucle. Programme, ouais, c'est donc nos amis de Square Enix qui éditent ce petit jeu. Ça, la start-up. Non, ça fait démarrer le jeu, ça. C'est la version PC. Hein. Allez, marche. Le BM Launcher, ça me paraît bien ça. Voilà. Les paramètres. Je vais mettre la synchro. Oui, bah il y avait tout. C'est juste que la physique, je vais la mettre en 100. Puis voilà, c'est pas grave. De toute façon, ça devrait pas changer grand chose. Voilà. On va réessayer comme ça en espérant que ça plante plus. J'ai le jeu qui plante. Tu veux pas avancer. Oui, oui, on sait que c'est Nvidia et c'est Nvidia qui fait planter sur mon jeu, alors arrête de te la péter, Nvidia. En espérant, bien évidemment, que ça ne plante pas, parce que sinon, bah, c'est galère. Oh non, je dois tout retaper. Je peux pas le skipper quoi. Ah ouais, c'est passionnant hein. Non, les papiers ne voleront plus. Oui, bah les papiers ils voleront plus hein. Voulu voir ce film, Bruce. Viens, on va être en retard pour Alfred. Désolé papa. Ne sois pas trop dur, Tom. Il l'adore. Alfred peut t'attendre. Allez, Bruce. Oh, ça va encore. Qu'est-ce que tu nous emmènes? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici? Allez, venez, on y est presque. Ah, j'adore le football de poubelle. Après, si ça change rien, bon bah... Ce n'est pas nécessaire. Ne bougez pas. Je tire. Je vous donnerai ce que... On se tait, madame. Bien faire. Filez-moi ce père. N'approchez pas. Maman. Vous emmerdez, hein. Je suis désolé, hein. On aime bien les jeux qui plantent chez nous. Mais non, c'est vrai que ça fait rare. Non. J'ai pas eu tellement d'emmerdes avec Demon's Souls. Je comprends pas. Allez, gamin, pardon. D'accord. Assieds-toi dans mon bureau. Il n'a rien. Ça va aller. Un enfant comme ça, avec tout cet argent, il ne pourra qu'aller bien. La ferme maintenant.
Il a 8 ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez? Il a un majordome. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose? Je veux pouvoir ouvrir la porte sans que ça plante. Je sais que tu n'as pas envie de me répondre, mais c'est le seul moyen. Ah si, si, je t'ai répondu, je vais ouvrir une porte sans que le jeu plante. Pourquoi ça me ferait super plaisir. Priez les gars, croisez les doigts, la porte est là. Attention, je vais attendre un peu. Voilà, attention, chargement. Voilà. Et la porte s'est ouverte, on est passé. C'est la fête, Alouette. Ah merde, il m'a vu. Merci. C'est le record du monde. Utilisez la batte griffe pour vous créer de nouvelles couvertures. J'ai pas froid particulièrement, vous savez. Ah! Ah ouais, c'est vachement bien fait. Ces faces trop bizarres. Ce que tu vois frisson mon électron. Alors, la batte griffe. Lui, il voit des boîtes tomber, mais je dis ouais, bon, c'est normal, ça arrive. Pas prendre l'épée. On va bien avoir une épée, moi. Oh, il m'a vu là. Oh putain, je pensais pas qu'il me verrait d'ici. Bon, désolé les amis, je ne sais pas jusqu'où ça va. Ah, ça me remet au début, quoi. C'est sympa. Ah non, c'est pas le début, ça, ça va. C'est pas Demon's Souls. Je suis pas obligé de courir pendant 5 minutes pour revenir à un boss nul. On se cache. Ouais, c'est un boss où en fait c'est que de l'esquive de tu vois, de rayon. Descends. Enfin, après il y aura de la lumière. En fait c'est un trip que je m'a drogué. C'est l'épouvantail, il est méchant, il joue avec mes peurs. Là il va m'envoyer des squelettes à me battre. Là il est salaud.
Ça va aller, tout va bien. On a pas besoin des points de vie, c'est virtuel les points de vie. On a pas besoin. Allez les gars, on a pas besoin des points de vie. Oula. Mais bien sûr. Alors là, il y a double tempo à capter, hein. Non, je suis tombé. On n'est pas en mode un PV, non. Faut pas déconner non plus. Voilà, tout va bien. Cassos. Ah, c'est la lampe là-bas. Non. Ah, erreur. Et au bout de la... Oh non, j'étais bien là. Bah ouais, c'était gosse. Bon, pas de beaucoup. Non, pas de beaucoup. J'essaye la corde, les amis, hein, je vous jure. Hein. Eh mais, il a pas sauté. Il a pas sauté. Il est là, mais non, pourquoi je sauterais, moi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça, tu vas me briser, blablablu. Passe ton regard, voilà, avance, laisse-moi courir. Allez, on va courir, parce qu'on est des fous, on n'a pas de limite. Attends. Tu te pousses, oui. Allez, pousse-toi. Voilà, c'est fini. À la frame, c'est ça. Eh, hey, 5 sur 5 en intégrité vidéalistique. Bonne soirée, Old Green Fairy. Ah, t'as vu, il est musqué, hein. Ah, j'ai des améliorations. Alors, on m'a dit de prendre la furtivité améliorée. Je l'ai, ça, moi? Ça se trouve où, la furtivité améliorée? Je peux faire du double batarang. Je peux mettre des points de life. C'est pas... voilà. Je peux mettre le batarang de combo, non disponible, élimination spéciale. J'ai pas encore les trucs qui améliorent la furtivité. Qu'est-ce que je prends? Permet de limiter deux cibles à la fois.
C'est quoi ça? Batarang de combo. Améliore le batarang lors des combos lui permettant d'envoyer les ennemis à terre. Permet d'exécuter l'élimination instantanée. Ouais, on va prendre ça. Allez, allez, hop là. Young dans le bureau du directeur. Je dois sortir d'ici. Alors, je dois sortir d'ici. Mais par où c'est? Alors ça, c'est toujours la bonne question, hein. Ah, ah, il y a des trucs à grimper là, non? Après, j'ai bien une idée, mais... Batarang! Il y a quelque chose qui cloche. Ah, à ce point-là. Et là, j'ai... Ah bah, il vient de là, votre problème, ma petite dame. Wouh. Ah, 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 attendez, je veux pas tomber jusqu'en bas. C'était beau. J'ai fait des figures. Bah non, on va tourner l'épisode et puis j'arrive, hein. À peu près. Non, non, bah je sais pas, vous en êtes où, vous les gens, vous voulez que j'arrête, que... Les gens voudront jamais que j'arrête, de toute façon. Mais si, ils peuvent vouloir que j'arrête parce qu'ils vont se coucher, parce que demain ils travaillent. Ah. Et je ne gagne qui te dit bonjour. Bonjour, je ne gagne. Je fais fuir les gens, effectivement. Mais va manger, Yamoha, je... Voilà, je sais pas à quoi te dire d'autre. Ironiquement, H2O. Ironiquement. Alors, tout ça pour dire qu'il faut que j'aille là, je suppose, parce que c'est ça qui s'est ouvert. Bah, j'aimerais bien finir ce passage là dans le manoir, et puis une fois qu'on aura fini le manoir, je rentrerai, je pense. Essaie de passer, Batman, et je te fais griller! D'accord, alors. Tu fais quoi, mec? Tiens. T'apprendra à essayer de me menacer avec une matraque électrique. Alors, voilà. Je t'attendais en écoutant Zaz faire hurler le gentil médecin pendant que tu batifolais dans l'univers de l'épouvanteur. C'était comment? Tu as appris des choses sur toi? Oh, raconte, prends un siège, parle-moi, je t'écoute. Au fait, ça vient de me revenir. J'avais cru entendre Zaz couper les oreilles. Ça en avait tout l'air. Ah ouais, c'est le... Il est pas mal, le Joker. C'est le Joker, il est fou, quoi. Il est plutôt pas mal. Non, le jeu, la narration est plutôt sympa. Hein. Après, le jeu en lui-même, bon, c'est quand même pas la folie, je trouve, en termes de gameplay, pour l'instant. Hein. Non. Reste où tu es, Batman. Et écoute-moi bien. J'arrive. Si tu apprends. Ça, c'était inattendu. Qui aurait cru qu'un dangereux meurtrier tuerait la pauvre doctoresse? À quoi, c'était Game Over? Zaz a paniqué et a tué Vizizaz lorsqu'il se montre. Avec quoi? Où tu es, Batman? Et écoute-moi bien. Il faut que je me cache. Si tu approches, je repeins la pièce en rouge avec son sang. Je sais que tu es là. Espèce de monstre! Espèce de saleté de monstre! Il n'ira nulle part. Vous pouvez vous arrêter. Pardon. Je suis désolée.
Ouais, mais je pense que le gameplay évolue quand t'as plus d'armes, quoi. Je sais. Le Joker m'a menacé. J'ai voulu mettre fin à l'expérience. J'ai voulu lui rendre tout son argent. Le Joker ne comprend pas qu'on lui dise non. Il veut une armée. Une force terrible pour annihiler Gotham. Mais c'est impossible sans la formule. Je l'ai cachée, mais... Donc maintenant, il a le venin et votre formule. Mon Dieu, il en a des litres et des litres. Il y a un labo caché dans les jardins. C'est fermé à clé, mais les codes de sécurité de toute l'île sont dans le coffre du directeur. Le Joker prévoit autre chose. On la voit comment, la pièce cachée, si vous voulez la voir, hein. Vous pensez que tout ce qu'il dit a un sens? Moi, je crois plutôt qu'il est fou. Oh, mon Dieu! Éloignez-vous! Pauvre docteur Young, mais tu sais bien que Monsieur J déteste les balances. Tiens, en parlant de balances. Tout à l'heure. Et ouais, ce vieux taré croit dur comme fer qu'il dirige cet endroit. C'est démentiel. Bon, j'ai plein de choses à faire. Les gars, s'il se relève, assommez-le, mais pas trop fort. Monsieur J a besoin de lui à la soirée. Là, c'est réglé. Oracle, Young a été tué. Vous savez contourner ces portes de sécurité? Avant qu'elle meure, elle m'a dit qu'il y avait un laboratoire caché dans les jardins. Les protocoles de sécurité Wayne Tech résistent au piratage. Lucius a bien bossé. C'est une séquence biométrique en deux parties générée par le directeur à l'aide d'un séquenceur. Et détruite par le Joker dans l'explosion du coffre. Harley Quinn a le directeur. Il est notre seule chance de passer les portes. Okay. Faut mettre 3 gels explosifs côte à côte sur le mur de gauche. Où est-ce que je peux mettre des gels explosifs là? Je peux pas en poser à l'arrache où je veux des gels explosifs que je sache. Ouais, c'est bien ça le problème, il veut pas. Alors qu'Amazulu est sorti sur PC, Xbox. Sorti chez tout le monde. Ce trophée était un test. Bravo! Tu as réussi le niveau élémentaire. Merci.